Yon l'autre fois, go bonjour à tout le monde. Merci parce que vous avec l'équipe Bombad Media now là, depuis Bombad de Police. C'est un plaisir pour nous entrer la carrière encore avec yon l'autre vidéo. Yon groupe partisan magistrat Kafoua, j'ai de droit Pierre Mandel rete nan tête mairie comme agent exécutif intérimaire. Et nous voulons faire qu'on ait pas parole à l'agent IGPNH là. Inspectrice divisionnaire Marie-Michel Verrier explique enquête yon après poursuivre dans quatre dossiers la saline nan, ak incident qui est arrivé nan date 6 juillet 2020 devant ministre justice et sécurité publique pays ya. Ces informations ça nous pote pour si c'est première fois visiter nos informations nous partager ou intéressé ou pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là et bien nous pas perdre temps n'a pas commencé cool Parce que au fait, et c'est un jour décisif dans la carrière politique. Moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis de là, ce qu'il faut là, que mon mandat de 4 ans. Le mandat nous venons dans le bout, je veux dire. Parce que nous avons un projet pour Carrefour pour 4 ans. C'est ça qui est démocratie. Un mandat pour 4 ans. Moi, tout le monde attendait, j'ai même dit que il n'est pas possible depuis 87 de choisir faire démocratie, qui c'est organisation d'élection de manière régulière en Béria. Mais élection collectivité, je voulais dire magistrat, Kazek, Aziz Greville, pas jamais fait à temps. Depuis le mandat président va le finir. Je ne vais pas le finir. Tout le monde, tous les jours, fait élection pour renouveler. Mais, avec le délégué de ville, le magistrat, ils toujours utilisé lorsque ils vont faire élection, par élection, plus le monde qui a participé à la donne. Dans l'intervalle, le budget de l'État, il y a l'argent pour élire. Il y a l'argent pour AZEC, AZEC délégué de ville. Magistrat, pendant 4 ans passé là, nous gaspillons un mandat parce qu'au fait, pas de volonté politique pour aider les collectivités. Pour que ça, décision politique pas de prêt pour faire élection. Moi-même, je dis, moi, quand j'ai eu l'élection, c'est pas ce qu'a fait aujourd'hui. C'est un homme qui est pénalisé par l'organisation de l'élection. Tout témoignage, affection, l'amour, mon cafou. Bon, moi je dis, militaire qui a venu, notable, il est venu directement dans le cœur, parce qu'il a fait politique avec Kent. Mais, leur dirigeant, il faut apprendre à prendre décision. Et depuis, leur dirigeant, il y a un seul verbe. J'ai toujours dit, équipement ça, moi, m'a fait formation, m'a fait conférence pour nous. Depuis, leur dirigeant, il faut prendre décision. Mais prendre décision pour changer les bagailles.
24 témoignés pendant 4 ans, on a gommé pour nous changer par notre collectivité. Mais ça étonne que la population, l'opinion publique, là, pas plus ouais, aspect ça, que la collectivité qui est plus habité, regardez l'État devant la marine, regardez l'État Corso, regardez l'État Rivière Froide, l'État, marché, mais tout ce côté magistrat, m'a gommé avec DGI. Ils ont changé la loi sur fiscalité pour me faire quoi pour me changer les bagages. Ils ne peuvent pas me faire, monsieur. Pour qui ça nous voulait pour me faire qui ça? Nous avons environ 17 projets qui doivent exécuter. Je ne vous dis alors, vous voyez là, ça ne va pas exécuter. Cette culturelle ça qui commence là, il y a fini, personne ne peut faire. Je ne vous dis, après on dit bien, politique, ce n'est pas l'analyse logique ni grammaticale. L'analyse politique, c'est une analyse comparative. C'est-à-dire comparer la vision de tel monde par rapport à tel monde. Je ne veux dire, malgré nous, c'est monde qui est élu, dans un moment qui est plus difficile dans l'histoire du pays d'Haïti, en vérité, ça nous fait plus. Convoquer la presse matin, hein? Parce qu'au fait, c'est un jour décisif pour la carrière politique. Hein? Moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis de la Sokafoula qui a un mandat de 4 ans. Le mandat m'a venu en Botli, je veux dire. Parce que nous avons un projet pour Kafou pour 4 ans. C'est ça qui est démocratie. Nous avons un mandat pour 4 ans. Moi, tout le monde attendait, j'ai dit que ce n'est pas possible depuis 1987. On choisit faire démocratie, qui c'est organisation élection de manière régulière en pays. Mais élection collectivité, vous voulez dire magistrat, Kazek, Aziz Délégué de Ville, pas jamais fait à temps. Depuis le mandat président pral fini, le mandat parlementaire pral fini, tout le monde était toujours pour faire élection, pour renouveler. Mais Kazek, Azek, le délégué de ville, le magistrat, il a toujours utilisé lorsque on va faire élection, pour faire élection, plus de monde qui a participé à la donne. Dans l'intervalle, le budget de l'État va y avoir l'argent pour mairie, il va y avoir l'argent pour Azek, Azek, délégué de ville. Magistrat, pendant 4 ans passé là, nous gaspillons le mandat parce qu'au fait, pas de volonté politique pour aider la collectivité. Pour qui ça? Décision politique pas de prendre pour faire élection. Moi, je dis, moi, j'ai eu l'élection, c'est une élection qu'a fait aujourd'hui. C'est un monde qui est pénalisé par l'organisation de l'élection. Tout témoignage, affection, l'amour, mon kafou. Bon, moi, je dis, militant qui est venu, notable, il est venu directement dans le camp parce qu'il a fait politique avec quelqu'un. Mais, l'ordre dirigé, il faut apprendre une décision. Et depuis, l'ordre dirigé, il y a un seul verbe. Toujours dit, équipe-moi ça, mon m'a fait formation, m'a fait conférence pour eux. Depuis, l'ordre dirigé, il faut prendre une décision. Mais prendre une décision pour changer les bagailles. Même 4 témoignés pendant 4 ans, on a boumé pour changer les bagailles dans notre collectivité. Pas jamais de volonté politique. On n'a pas le mandat, pas gagné. Dans le gouvernement, pas gagné. Dans la présidence, pas gagné. Pour la collectivité. Changer le statut magistrat, c'est la plus mauvaise décision qu'il prend. Parce que le motivé politiquement, et nous-mêmes, dans le FENA, nous sommes gommés contre ça. Nous reconnaissons que nous te dit, nous ne sommes pas d'accord, chambardement. Il n'y a pas fait aucun sens démocratique que une source de légitimité populaire par une décision politique yo vinn bon une source de légitimité totalement inféodée à un pouvoir exécutif. Mais ça étonne même que la population, l'opinion publique là, pas plus ouais aspect ça que et collectivité qui est tous habité, regardez l'État devant la marine, regardez l'État Corso, regardez l'État
rivière froide, état, et me dit marché yo, mais tout ce magistrat m'a goumé fait démagogie. Ou fait 4 ans ou pas qu'à fond projet. Pays l'autre. Presque 20 mois de stabilité politique. Moun pas paye taxe. Tout engagement ou prend dans projet n'a pas fait aucun sens démocratique que ou gon source de légitimité populaire par une décision politique yo vinn bon source de légitimité totalement inféodé à un pouvoir exécutif. Mais ça étonne que population, opinion publique là, pas plus ouais aspect ça que et collectivité qui est tout ce habité, regardez l'état devant la marine, regardez l'état Corso, regardez l'état rivière froide, l'état m'redit marché yo, mais tout ce magistrat m'a goumé fait démagogie. Ou fait 4 ans ou pas qu'à fond projet. Pays l'autre. Presque 20 mois de stabilité politique. Moun pas paye taxe. Tout engagement ou prend dans le projet, pas qu'à respecter. C'est pas en cause. Qui peut se faire la vie politique?
avons deux dossiers. Nous allons parler de la population sous lit. Premier, c'est quelques organisations de droit monde qui ont fait sortir rapport. Et selon allégation, ils ont fait sortir. Ils ont fait point que tu as un véhicule blindé la police qui a participé dans la saline avec le groupe G9 et l'autre côté encore. L'inspection générale qui n'a pas jamais quitté aucun dossier dominant, tu vois, te prend une décision, lui former une commission spécialement pour travailler sur le dossier. Ça. Dossier en cours de traitement. Pour qu'il y ait plusieurs actes déjà posés, une fois que le rapport est terminé, la population, à travers la presse, a beaucoup courant de décision. L'autre bagaille encore, c'était une manifestation qui a déroulé dans le parage ministère de la Justice dans la date 6 juillet 2020. Il y a une information qui a fait quoi? Que la police a utilisé force excessive. Et l'inspection générale l'ouvrit l'enquête. N'a pas rappelé que dans la zone de manifestation, ça a fait là, il y a plusieurs édifices de l'État qui sont très importants. Ils ont interdit la manifestation dans la zone. Ça. Et ensuite, c'était dans la période côté l'État a décrété l'état d'urgence dans le cadre de COVID-19 pour éviter la propagation de maladies à plus dans le pays. C'est la raison qui fait la police est intervenue pour être capable de disperser la foule. Ça n'a pas bail aucun policier droit pour utiliser force ou pas de l'utiliser dans le moment où tu as dispersé la foule. Enquête là en cours de traitement, bientôt. L'inspection générale a bien pour informer la population, pour faire connaître les décisions, les résultats enquête ça te joint. La question de sécurité foncière là, je pense que c'est un point très important et nous avons mis l'accent sur lui. Catégorie qui est plus victime de ça, ce sont les Haïtiens de la diaspora. Et je profite de votre micro pour rappeler que la propriété privée est reconnue et garantie par la Constitution. Donc, depuis ces mouns qui ont monté Manu Militari sous tes mouns, de mouns qui ont falsifié des titres de propriété, de mouns qui ont soufflé des jugements et des actes, n'a poursuivi. Parce que seule façon pour priver un citoyen de propriété, c'est à partir d'un jugement rendu par un tribunal de droit commun et passé en force de choses souverainement jugées. Et président, PM non, et ministre de justice là, mettez accent en pile sur ça. Rob jeune de cas côté que de nègres qui lourdement armés envahis de propriété. Mais il y a l'autre cato, ça veut dire qu'ils prennent de force. Mais il y a l'autre cato dans le système là, côté que mon n'a pas jamais recevoir aucun acte, aucun jugement, aucun papier. Et puis un bon matin, comme ça, ils viennent exécuter. Donc les jugements, les actes de procédure ont été soufflés. Et nous autres, nous reprenons depuis ce monde qui a falsifié des titres de propriété, qui soufflait des jugements. Et qui de force monter sous terrain monde n'a poursuivi. Que syndicat pas dans politique. Mais malheureusement, l'a évolué dans un pays côté politique y a col dans toute bagaille. Qui donc bataille qui pour mettre syndicat chita tout bon vrai à poko fini. Parce que obstacle ak menace yo a multiplié de jour en jour. Pour que sa autorité supérieure nou yo a multiplié stratégie tribobabo pour yo persécuter membre administrateur membre SPNH yo. Nous pas qu'à comprendre pour qui ça directeur général là a fait marronnage. Marronnage côté li pa vle respecter engagement li te prend envers revendication nou yo. N'a profité d'il que même Jean li prend engagement pour le camper contre une série de mauvaises pratiques qui t'a fait en dans institution hein. C'est pas favel t'a fait nous si li te respecter parole li. C'est t'a yon action de grandeur d'âme pour yon police efficace sous commandement li.
Mais de préférence, il a forcé l'ancien coordonnateur général Yannick Joseph Voligage. Il a transféré quelques membres, nous, sans besoin. Nous pas oublier tout, côté où tu préparé une place dans la pénitentiaire nationale pour l'inspecteur Jean-Fritz Mani, qui est avocat SPNH 17. Même Jean et Jean-Pascal Alexandre, qui a pris en prison derrière de la loi, arbitrairement. Malgré tout, ça n'a pas impressionné SPNH 17 là, parce que nous déterminés pour nous offrir les Haïtiens un corps police véritable et fonctionnel malgré tout ça nous subit depuis 25 années en bas mes dirigeants qui t'a fait tête à politiciens plaisir. Bataille ça a possible. Les toutes couches dans la société a bien comprendre nous et accompagner nous. N'a profité occasion ça pour nous dire tout le monde que tribulation que peuple haïtien a traversé dans dernier temps ça yo pas quitter nous indifférent. Je nous calé bien grand sous massacre yo fait sous population en tribo babo. Assassinat, kidnapping, corruption, manifestation qui ont réprimé sans raison valable, gaz sous manifestation pacifique, le police dans la police et la trier. Nous pas d'accord à toute injustice ça. N'a profité occasion ça pour nous demander tout policier qui croit dans protéger accès vie et qui gagne main yo propre pour yo bin inscrit comme membre adhérent dans SPNH là, yon façon pour retirer mauvais grain dans corps police là. N'a demandé pour policier Zéphéis yo camper loin. Administration SPNH la réserve le plein droit pour le mettre dehors dans celle toutes les effets qui ont abusé la population sans condition. SPNH la pas bay aucun policier déviant, traite, méchant, marchand de pays, reste avec TT. Non, nous pas bay au TT. Yon l'autre fois encore, nous demandé pour tout haïtien conséquent continuer à protocoler avec SPNH la sous toute forme avec une petite patience en plus jusqu'à ce que nous va prendre vitesse de croiser nous. Pour une police plus professionnelle et qui bien traite même lieu. Vive Haïti, vive PNH, vive SPNH. Merci, il n'a pas de trois questions. Et jusqu'à maintenant, je ne connais pas qui ça, M. Liste fait avec. Parce que l'été dans un cadre arbitraire, injustice qui a fait. Côté que pendant 11 ans, M. Baka joue un lien pour y reprocher. Et la preuve est bien grande. Il y a une IGN de section générale qui est crampée. Dans la convocation le 16 juin, il était dit gonèg, il dit porte-parole, nous pas rien pour nous reprocher pendant 11 ans. Même demander, il dit qu'il y a bonne mesure. Il dit si pas rien pour nous reprocher, mais pour qui ça n'a bonne mesure. Donc c'est après et audition hein, que tu vas apprendre que c'est suite à et intervention ancien ministre de la Santé fait que nous te répondre. Donc malgré tout, il y a une enquête qui te dit que est-ce qu'il pas de malentendu, donc nous te retendre message hein, donc côté que nous te font excuse publiquement. Donc jusqu'à maintenant, le 16 yo levé mes yeux, le 1er juillet, yo levé mes yeux. Côté que yo voyé sous contrôle DPDG. Donc normalement, c'est la première fois que je prends sanction pendant 11 ans dans l'institution. Eh bien, c'est dans la bouche policière, je ne vais pas prendre que dans le couloir côté que monsieur mette. C'est un pied en dedans, un pied dehors. Et je ne dis pas, dernier moment, le 4 de crédit, un petit 4 manger. Côté que monsieur bloqué. Eh bien, ça a monté, c'est tout bon, qui a persécuté. Pendant que vous n'avez pas rien pour reprocher. Je demande recommandement, et spécialement DGPNH, l'État haïtien. Premier ministre, ministre de justice, président. Donc, est-ce que vous même vous avez madame avec petit pour vous manger? Les moi même pendant 11 ans, je fais observer un pays. Nous n'avons pas rien pour nous reprocher. Je dis, vous prenez à moi, vous prenez bâche, vous mettez ma mesure, vous levez mes yeux. Eh bien, puis devant, vous bloquez le cadre de crédit. Eh bien, après, ce n'est pas le chèque, ce n'est pas la révocation. Maintenant, de même avec tout l'autre employé, est-ce que les policiers n'ont pas gagné droit à tout? Préavis, donc, les que nous évoquons. Et spécialement, moi-même, non capable, non. Demandez-nous, qui ça nous dit pour me faire avec petit, nous, comment on va le faire pour m'aider, les que habituellement, nous décidons de révoquer le côté que nous bloquons, carte de crédit. Merci. Merci. Délégation, service bien-être, police nationale d'Haïti, dans la pénitentiaire nationale, s'est fournie de garder dans quelles conditions policiers prisonniers à vivre en d'un plus gros centre de détention PIA. Responsable service en bien-être là, commissaire divisionnaire Kestel Pierre a expliqué, yo noté ensemble revendications policiers prisonniers, doléances à yo pral adressé à la direction générale PNH là. Elma, commissariat Pétionville, commissariat Tabar, nous passons Carrefour, Croix des Bouquets, et nous visitons l'inspection générale, nous entretenons avec l'inspecteur général en chef, nous visitons différentes structures. Pour nous sensibiliser sur l'importance, structure là qui c'est bien-être. Qui ça bien-être là pour le faire? C'est vrai, c'est travail à améliorer conditions de vie, conditions de travail policier. Garder commissariat, garder unité
territorial yo nan ki condition que policier a travaille. Mais nous connaît bien ça créer yon équilibre entre la vie sociale ou bien encore familiale du policier et sa ses conditions de travail. Si policier a un problème dans famille, ça ka impacter travail que la baye communauté haïtienne. Et c'est ça qui fait directeur général là, il crée structure là pour que nous accompagnions tout personnel la police là dans différents dossiers, dans différents problèmes que vous gagnez. Bon, citer pour nous quelques exemples. Il y a un policier qui a un problème quand il va venir. Mais on fait nous pas. Le policier n'a pas même besoin de déplacer la structure là après l'entage. Il faut qu'il y ait jusqu'à ce que le policier a joué une carte. Il y a un policier qui a un problème d'âme. Hier, nous avons une inspection générale pour nous régler une question d'âme. Il y a un policier qui est malade. Dans l'état de maladie, nous faisons suivi avec structure médico-sociale. Il y a un policier qui a un problème de logement. Il y a un policier qui a un problème, et par exemple, qui a accouché. Il a besoin et un congé maternité. Donc, ensemble de problèmes, ça, yo, nous abordons. Et c'est ça, nous gagnons comme instruction, comme attribution du directeur général de la police. Nous abordons problème ça, yo, et puis nous essayons de porter une solution. Côté limite, nous arrivons. Nous, ouais, directeur général, là, nous exposer le problème, non? Et puis lui-même, lui poser solution. Commandement, la travail pour policiers. Et c'est ça qui fait nous-mêmes au niveau de structure, là. Non seulement nous, à travailler avec et pour policiers, mais nous avons fait sacré les sensibilisations à travers déplacement, nous, pour que nous capables d'informer policiers, informer communauté, de existence bien-être, là. Yon aspect encore nous toucher, c'est question policier à mobilité réduite. Par exemple, un policier prend cartouche, un policier victime de accident, de incident, nous accompagner yo. Non seulement dans démarche médicale yo, mais nous accompagner yo tout dans question administrative. Yon exemple, c'est l'inspecteur divisionnaire Romanes. Lui jeune, son inspecteur divisionnaire, l'inspecteur l'a créé et puis nous wel vini dans médico et puis nous tout dit pour le travail dans structure et depuis environ 4 mois, lycée un membre de staff bien-être. Encore, nous visiter policiers au lacayo, nous avons un chronogramme de visite de policiers à mobilité réduite et nous contacter institutions pour que nous accompagnions policiers par exemple, si au besoin chaise roulante, si au besoin canne, si au besoin béquille qui pour faciliter déplacement yo et bien policiers même qui besoin prothèse. Encore, directeur général a gagné ça comme souci, comme projet pour créer ça, créer un site de loisirs, un site culturel. Côté un policier besoin marié, il est capable de venir célébration. En fait, surtout moi-même, c'est chrétien et c'est pasteur. Donc, nous sommes capables de célébrer et cérémonie. Hein. Et puis, même côté, un policier a toujours un appartement, une chambre pour passer l'une de miel avec madame. Si le policier a fêté anniversaire, il est capable toujours servi avec site ça, fait anniversaire, d'ici le bleu pour 3 jours passer dans site là, il passe, n'a bien piscine à disposition. Donc, directeur général a travaillé pour répondre à différents besoins. Mais nous connaissons, besoin yo en pile. Besoin yo en pile et moyen yo limité. Mais, comme dit nous, bien volonté. Existence ou bien présence nous dans prison, c'est une activité qui traduit volonté directeur général là. Hier, nous t'es inspection générale, nous t'es visité policiers qui en mesure conservatoire. Nous continuons par la veille, conditions de vie, conditions de logement, nous continuons par la queue. Jodia, nous en prison pour nous parler avec staff là. Nous tout profiter, saluer toutes les policiers qui travaillent dans la PNA, son travail assez difficile. Mais qui t'aime dire, nous, premièrement, travail dans la paix, c'est pour bon Dieu dans la paix. Pour nous faire avec tout que nous, avec tout nous-mêmes. Deuxièmement, directeur général a placé confiance dans nous, d'ailleurs, il délégué pour venir parler avec nous et parler avec la presse. Et ma première, c'est M. Nouyo qui fait déplacement avec nous. Moi, salue nous, monsieur. Nous avons un travail vraiment difficile, Radio Télé-Guinée, TNH, coordination de presse dans la police là. Moi, salue nous. Et travail n'a pas facile, mais leur vraiment fait travailler avec eux. Bon Dieu, bon courage pour traverser ce moment difficile. Donc, moi, salue nous encore.
moi-même c'est commissaire Kesnel Pierre et nous avons un numéro bien-être là qui c'est 42 00 14 14. N'importe police qui capitaine des messages ça qui a un souci dans travail ou dans question familiale ou dans besoin relais 42 00 14 14 42 00 14 14. Pour quand même écrire nous sur email. Email nous c'est direction bien-être, direction bien-être PNH 01@@commercial.gmail.com. Pour écrire nous sur internet et puis nous recevons doléances et puis nous servir. Comme bon exemple, vos policiers qui travaillent dans le nord, plein du nord, ils apprennent que nous avons fait des masques pour un monde qui a besoin de carte intelligente. Ils juste relaient nous faisons des masques là. Nous jouons une carte là, nous voyons le bal dans le nord, il va même déplacer. Nous avons volonté pour nous travailler, tout ça que notre capacité nous appelle. Et nous croyons directeur général là, tout le travail pour équiper bien être là, ben nous moyens pour nous déplacer à la province de manière à ce que nous faisons travail là, nous toujours au service de la police. Et nous saluons tous les policiers, que bon Dieu bénisse nous, garde nous. Merci beaucoup. En fait, évaluation, c'est satisfaction que nous éprouvons par rapport à l'accueil que l'inspecteur divisionnaire, Pacom Banon, pour que nous soyons capables de visiter la prison. Et nous, ouais, en effet, dans quel état prisonniers eux-mêmes yo logés et nous-mêmes en tant que chrétiens les interpeller nous davantage pour que nous capables en tant que chrétiens prier pour eux et ensuite nous t'ai visité particulièrement policiers détenus nous parlaqué et nous conscients de différentes doléances que ben non. Et en tant que représentant directeur général là, l'inspecteur général Nomil Rameau, nous réalisons au fur et à mesure que nous avons fait visite ça. Combien il est important pour que au commandement et surtout directeur général là pour l'accompagner, policier ça. Directeur général là, tu as pensé de créer structure là. Et nous-mêmes en tant que directeur du bien-être, assisté du commissaire principal Spadier Dominique Voltaire et accompagné de l'autre membre personnel là, nous vraiment émus par rapport à conditions de logement policier ça yo. Il aurait été policier puisque plusieurs nan yo, si c'est pas yo tout yo pas révoqué, donc yo gagnent droit à tout moins ta kadi avantage administratif et social. C'est vrai yo nan yo dans des conditions difficiles, mais cependant, nous-mêmes en tant que bien-être, non seulement policiers qui en activité en service ont intéressé nous, conditions de travail, yo, conditions de vie ont intéressé nous, mais même les policiers en prison, ils étaient policiers, conditions de détention en tout, ils intéressé nous. Et c'est ça qui fait nous arriver jusque dans la prison, hein, pour nous garder conditions ça, yo, garder qui avantage, ou bien administratif, ou bien social, yo pas joindre, pour nous capables non seulement faire des démarches nécessaires pour joindre avantage ça yo, mais à niveau côté que l'immande intervention directeur général là pour que nous capables porter de doléances ça yo devant directeur général là et généralement là nous porter une doléance by directeur général là il répond. Récemment en date nous avons un policier qui ont difficulté directeur général là il répond, il fait suivi. Donc et même côté logea n'a parlé avec DGA et me croit que il y a deux bagages capable changer autant que nous parler avec inspecteur responsable par contre et il y a des dispositions qu'à prendre pour améliorer conditions de détention. En fait, c'est moi qui pour remercier nous et pour déplacement nous pour sacrifice nous et nous souhaiter que toute population yo et collaborer pour que en fait policiers qui ont nos services, nous accompagnent dans notre travail. Et il faut souligner que c'est une première visite. Et nous venons pour nous faire évaluation.
et n'a pas retourné pour nous venir dire policier mais ça nous trouver mais ça directeur général là lui-même lui répond nous pour nous accompagner et là ça permet que tout l'autre policier captant des messages ça motive davantage puis continuer servir patrio pas oublier que c'est vrai conditions difficiles mais c'est pourquoi bon Dieu relé nous besoin faire faut travailler avec nous travailler avec tout nam nous et travailler ça c'est bon Dieu que ben nous lit mais n'a travail pour nous faire avancer patrie nous merci beaucoup. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.